chers amis. Bonsoir. 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 On essaie de le... Bonsoir et merci à tous de votre présence à cet événement solennel. Rendre hommage à Simone Veil ici ce soir revêt une signification très particulière. Nous avons souhaité que cet hommage soit ou s'inscrive dans le droit fil de la pensée et de l'action de Simone Veil, mais aussi que cet hommage ressemble à ce que nous faisons ici, à l'espace culturel et universitaire juif d'Europe, un travail permanent, assidu, exigeant, de promotion de toutes les formes de culture, de dialogue de toutes ces cultures, mais aussi de promotion du savoir académique, vers tous les publics. Alors, ce soir, nous allons partager un moment autour de la mémoire de Madame Simone Veil. Et cette soirée sera orientée vers un programme artistique que vous allez probablement apprécier parce qu'il est totalement original. Et je voudrais d'abord présenter le programme et puis ensuite laisser la parole à quelques témoins. Alors, nous avons décidé ce soir d'organiser une lecture musicale d'extraits, de textes, pour pouvoir écouter, entendre, vivre la force des mots de Simone Veil. Et le choix des textes, leur adaptation, leur accompagnement musical, leur lecture doivent beaucoup aux artistes, comédiens, acteurs, personnalités engagées, musiciens, que je tiens à remercier ici. D'abord Daniel Rousseau-Goepner, qui a fait un travail formidable d'adaptation de textes. Rachel Kahn, qui a dirigé cette soirée, coordonné cette soirée. Madame Charlotte Rampling, que je remercie beaucoup, ainsi que Delphine Orwiller, Natacha Régnier, Marie Vial, Nesrine, d'être parmi nous pour donner... pour prêter leur voix aux mots de Simone Veil. Permettez-moi également de remercier Rémi Yulzari et Yannick Lopez pour le programme musical qu'ils ont préparé pour nous ce soir. Alors, dans cette institution, nous avons l'habitude de rendre hommage aux grandes personnalités qui ont marqué notre pays, qui ont marqué notre histoire, qui ont marqué le fil de l'histoire de la communauté juive en France. Et en faisant cela, nous avons l'habitude de faire appel à des témoignages. Nous partagerons tout à l'heure le témoignage de Madame Gillette Kolinka, que je remercie beaucoup d'être parmi nous ce soir. Et évidemment, je voudrais remercier particulièrement la famille de Simone Veil, ici présente, représentée par ses deux fils, Pierre-François Veil et Jean Veil, que je remercie beaucoup d'être parmi nous ce soir. Je vais, pour cette première partie, appeler Yves Rouas, le président de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe et de l'Institut Elie Wiesel, pour une prise de parole. «
Bonsoir, bienvenue à l'espace culturel et universitaire juif d'Europe, bienvenue à l'Institut Elie Wiesel. Mes premiers mots seront pour vous, messieurs Jean Weil et Pierre-François Weil. Merci à vous pour avoir donné votre accord pour que la mémoire de votre maman soit honorée ici. Merci d'être à nos côtés, vous qui êtes souvent sollicités par ailleurs. Merci à vous tous qui nous soutenez dans nos programmes et qui êtes là ce soir. Merci Madame la maire du 9e arrondissement d'être toujours à nos côtés. Vous pourriez être amené à vous poser la question de savoir pourquoi nos deux institutions, l'ÉCUJ et l'Institut Wiesel, ont décidé de rendre hommage à Madame Simone Weil. Ma première réponse est simple, c'est que Madame Weil avait accepté de faire partie du conseil académique de l'Institut Elie Wiesel. Voilà donc déjà une bonne raison. Mais il y a d'autres nombreuses raisons qui justifient l'hommage que nous lui rendrons ce soir, et en particulier l'impact que peut avoir une vie, le titre du livre qu'elle a écrit en 2007, sur la manière de voir le monde et les relations humaines, ses leçons sur les droits de l'homme, son courage civique, sa tolérance, son respect de l'autre, toutes choses qui s'inscrivent dans les valeurs que défendent nos deux institutions. Elle a assumé de nombreuses fonctions et missions tout au long de sa vie. J'en cite quelques-unes. Haute fonctionnaire et chargée de mission, secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature, ministre de la Santé par deux fois, dont une fois comme ministre d'État, première présidente du Parlement européen, membre du Conseil constitutionnel, présidente du Fonds d'indemnisation des victimes auprès de la Cour pénale internationale, présidente du comité de réflexion sur le préambule de la Constitution française, et enfin, mais ce n'est que, non pas la dernière, mais une chose importante pour nous, elle a été première présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, nommée, et c'est important, par Lionel Jospin, Premier ministre, avec l'accord de Jacques Chirac, président de la République. Et enfin, elle a été membre de l'Académie française. Toutes ces fonctions qui sont, vous l'avez compris, éminentes. Elle est à l'origine, tout le monde le sait, de la loi sur l'IVG, mais aussi de nombreuses autres lois. L'adoption, les réformes des prestations familiales, les règles de bioéthique, les premières réformes de l'administration pénitentiaire, les premières lois sur les droits du handicap, l'intérêt supérieur de l'enfant, son rôle majeur, bien sûr, dans l'émancipation des femmes, s'en engageant pour l'Europe. Mais ce n'est pas ici la femme qui a mis son action politique au service de son pays et de l'Union européenne à qui nous rendrons hommage. C'est aussi son action pour la mémoire de la Shoah, son engagement pour la paix. Le rôle important qu'elle a joué dans cette grande fondation qui est la Fondation pour la mémoire de la Shoah, fondation qui a toujours soutenu nos actions et nos programmes. Et je veux remercier ici particulièrement M. Philippe Allouche, son directeur général, qui est avec nous ce soir. Merci de votre présence. Je voudrais citer ce qu'elle a écrit dans son livre « Une vie », dont elle s'excuse en préambule d'avoir repris le titre d'un livre de Maupassant. « Au fond, dit-elle, tout au long de ma vie, j'ai eu la chance de pouvoir m'investir à ouvrir des brèches dans le conformisme ambiant et de mettre en convergence les phénomènes de société et les cadrages juridiques. Son réalisme dans ce livre, écrit déjà depuis plus de 10 ans, sur l'antisémitisme, la xénophobie, les problèmes sociaux, les problèmes de banlieue, l'environnement, le phénomène religieux, soulève des questionnements que nous voulons aborder tant à l'ÉCUJ qu'à l'Institut Elie Wiesel. Elle était attachée au sens de la justice, au respect de l'homme, et vigilante face à l'évolution de la société, et c'est important aujourd'hui. N'ayant pas eu la chance ni le privilège de connaître Madame Weil, qu'il me soit permis de citer quelques témoignages de personnalités qui ont été proches d'elle ou qui l'ont honorée avant nous. Annick Cogent, suite au discours mémorable de Simone Weil en novembre 1974 à l'Assemblée nationale. Elle dit « Citoyenne féministe et militante, qui a mené une vie de combat, qui a participé à la construction de notre modernité, toujours guidée par une éducation progressiste, avec un engagement républicain, profondément humaniste, elle défendait sans relâche les droits et les libertés individuelles. Une femme portant très haut une exigence de morale et d'éthique, une femme de devoir, de rigueur et de conviction, de courage et d'abnégation, rétive à la démagogie et aux compromissions. Pierre Méhaignery, ancien ministre, qui était avec elle dans un parti politique centriste, disait d'elle,
C'est une femme de conviction, d'une droiture irréprochable. Son engagement ne résultait nullement d'une ambition personnelle. Jean d'Ormesson, lors de l'accueil de Simone Veil à l'Académie française, « Ce qui vous a sauvé, madame, du désespoir, c'est le courage, l'intelligence, la force de caractère et d'âme, et c'est l'amour. Il succède à la haine. » Enfin, M. Emmanuel Macron, président de la République, lors de l'hommage aux Invalides en juillet 2018, « Nous avons voulu que Simone Veil entre au Panthéon, sans attendre que passent les générations, pour que ses combats, sa dignité, son espérance restent une boussole dans les temps troublés que nous traversons. » Simone Veil est de ces femmes qui ont éclairé le XXe siècle. Ses combats, sa vie, son héritage humaniste renforcent les engagements de nos deux institutions, à l'image d'une femme indépendante, rétive à tout embrigadement ou conformisme, sans exclusive, c'est ce que nous voulons être dans cette maison. Elle écrit dans son discours qu'elle a prononcé à Budapest en 2003, « Que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou non, nous sommes responsables de ce qui nous unira demain. Collectivement, nous sommes faits de ce qui nous a précédés et pour partie nous engageons l'avenir. Il n'y a pas de conscience éthique sans mémoire. » Les valeurs éthiques de la démocratie européenne, valeurs de liberté et de fraternité des peuples, refus du totalitarisme et du racisme, essor de la culture face à la barbarie, sont au cœur de l'Institut universitaire Elie Wiesel. Une chaire académique consacrée à l'enseignement de l'humanisme européen, dont le sillage des idéaux de Simone Veil verra sûrement le jour dans notre institution. On connaît son combat à la Fondation pour la mémoire de la Shoah, pour la transmission. Dans son livre « Mes combats », elle écrit « La Shoah est notre mémoire et votre héritage. Nous sommes là à l'Écuge et à l'Institut Elie Wiesel, dans notre rôle pour transmettre, comme elle le répétait sans cesse, la mémoire vive. Merci, madame. Ils n'ont pas réussi à vous faire disparaître de la surface de la Terre. Vos enseignements sont immenses et nous sommes là pour les transmettre. Ce soir, nous rendons hommage au matricule 78 651 à une grande dame, Madame Simone Veil, incarnation de la dignité humaine. Merci. Je vais demander à Madame Ginette Kolinka de venir partager avec nous un témoignage. C'était pas prévu, hein? Je sais pas quoi vous dire. Pour parler sur Simone, c'est sûr que je ne peux que... Tout ce qu'on peut dire sur elle, toutes ses qualités, elle avait certainement des défauts, comme tout le monde. Il n'y a que moi qui suis parfaite. Mais... Pour les reculer. Hein. Et ça va. Tout ce qu'on peut dire sur elle, je le pense vraiment. Pour moi, c'est pas spécialement parce qu'elle m'avait donné une robe que je suis en admiration devant elle. Peut-être que ça a commencé comme ça, justement. Cette histoire de robe, je me souviens, je n'oublierai jamais. Elle a oublié. Par contre, moi, non. On était en quarantaine. En quarantaine, ça veut dire qu'on rentrait dans le camp, mais on n'était pas tout de suite à travailler. C'était des corvées qu'il fallait faire. Et je me suis trouvée à partager une corvée avec elle. Il pleuvait très, très, très fort. La capot, qui était une peau de vache la pire, je crois, qu'il y avait dans le camp, et c'est peu dire, parce que c'était toutes des... On ne sait pas comment qu'il les choisissait, mais elles étaient terribles. Eh bien,
Il pleuvait tellement fort qu'on passe devant un mirador, ceux qui étaient à étage. Donc il y avait comme un petit palier, si vous voulez, pour monter là-haut. Là, on passe devant, il était ouvert. Elle nous permet de nous abriter. On était collés l'une contre l'autre et on s'est endormis. Naturellement, la capot n'allait pas nous laisser dormir toute la matinée. Dès que la pluie a un petit peu baissé de force, elle nous a fait sortir. Et là, je suis vraiment témoin, et je me rappelle comme si c'était aujourd'hui, en extase devant Simone. « T'es trop belle !» J'étais à côté, moi, elle ne me voyait même pas. J'étais pas mal non plus, mais bon. Je suis modeste. Hein. Et donc, c'est vrai qu'elle était belle. Elle l'était encore après, mais vraiment, quand elle était jeune, elle était superbe. Et il y en avait d'autres de superbes, mais c'est vrai qu'elle l'a remarqué. Et t'es trop belle pour être habillée comme ça, t'es trop belle. Et je me rappelle, quand on a été quelque temps après la quarantaine, en quarantaine, on apprenait ce qui était interdit. Et il était justement interdit de parler quand les capots nous parlaient, quand il fallait qu'on se taise, on fallait tout accepter. Et ça, on ne le savait pas encore. Et quand cette capot dit à Simone, t'es trop belle, je vais t'amener des robes et puis tu n'iras pas dans ce camp, je vais te mettre dans un autre camp qui sera moins dur. Simone, qui ne connaissait pas encore les lois, non, moi je ne veux pas bouger d'ici, moi il y a ma mère et ma sœur. Eh bien, la capot, cette peau de vache, aurait pu dire, mais dis donc, où est-ce que tu te crois? Qui est-ce qui commande? C'est toi ou c'est moi? Ici, c'est nous qui commandons. Donc, toi, tu iras où je te dis, ta mère et ta sœur, eh ben, elles se débrouilleront. Eh bien non, la capot a dit, eh ben, tu partiras avec ta mère et ta sœur. Et du coup, après, je n'ai plus revu Simone. Je l'ai revue bien longtemps après, grâce à Marceline. Nous étions copines avec Marceline. Et Marceline avait rencontré Simone, elle était plus près de Simone que moi. Et on a été déjeuner ensemble chez elle. C'était encore rue Danton, là, elle habitait. Et j'ai connu ses enfants quand elles étaient petites. Voilà, et alors après, naturellement, chacun, je ne l'ai plus revue, Simone, et je la voyais dans les cérémonies, et je peux dire que dans les cérémonies, même si elle était avec le président de la République, eh bien, les copines, c'était ses copines, et elle était de nouveau déportée avec nous. Et puis un jour, elle m'a fait la surprise, alors là, ça a été la révolution. Moi, comme travail, j'avais choisi de faire les marchés, et un jour, qu'est-ce que je vois sur le marché? Simone et Marceline, ensemble, qui viennent me voir. Alors là, je peux vous dire que tout le monde, alors que c'est pas vrai, tout le monde était mes copines, tous les forains, alors que j'avais des ennemis, étaient mes copines. Et à l'époque, elle était plus ministre d'ailleurs, et je lui avais demandé si par hasard elle était au chômage, elle pouvait reprendre ma place parce que j'allais abandonner. Mais avec Simone, elle aurait été présidente de la République. Je ne la voyais pas, c'était ma copine de déportation. Et je me rappelle de son mari qui disait à Simone, tiens, là, ta marchande de caleçons. J'étais vexée parce que je ne vendais pas que des caleçons. Merci Ginette. J'invite Pierre-François Veil à nous dire un mot. On avait dit quatre, hein. Un mot. Madame le maire.
messieurs les présidents, directeurs généraux, etc., etc., mesdames et messieurs, chers amis. Hommage à maman. Une vie de combat. Des combats. Vous connaissez tous la différence entre une mère italienne et une mère juive ? Oui ? Une mère italienne mange tes boulettes ou je te tue. Une mère juive mange tes boulettes ou je me tue. Et alors Jean et moi, Jean qui est là et moi, nous avons eu une mère juive, nous aussi. Et alors voilà. Et voilà le travail. L'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Je vous regarde tous et je suis certain que nombre d'entre vous, peut-être même tous, ont semaine après semaine, une fois par semaine, parfois deux, trois quand c'était vraiment très très grave, payé 70 euros à un type pour s'allonger sur son divan et lui parler de votre mère. Et nous, depuis 2 ans, le peuple de France, Jean et moi, nous fait la gentillesse de nous inviter à parler de maman gratuitement. Et je dois dire qu'on ne s'en lasse jamais. Je peux comprendre finalement que les analyses, ça dure. Quand vous m'avez invité, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, quand vous m'avez convié et que vous m'avez dit qu'il faudrait prendre la parole, bon, bien sûr, il y avait quelques histoires juives, j'ai pas été rabbin, mais enfin bon, quand même. Mais je me suis demandé ce que maman aurait dit, vous aurez dit, à l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. C'est un titre fait pour elle, ça la résume. Il y a tout dedans. Il y a tout maman. Et je crois que le mot qu'elle aurait prononcé, le mot qu'il aurait mobilisé ce soir, c'est probablement celui qui inspire les combats de votre espace culturel européen. C'est ce qui fait peut-être le caractère un peu particulier de l'Europe. C'est celui de la laïcité. C'est celui qui fait que, dans notre pays, dans notre continent, nous arrivons à vivre les uns avec les autres dans la tolérance. Alors ça n'a pas toujours été vrai. Je vais vous donner un exemple. Mon frère ici présent, quand il était jeune, a découvert l'histoire de France. Et un jour, il est rentré à la maison. En général, c'est lui qui raconte cette histoire. Je vais la raconter pour lui. Un jour, il rentre à la maison. Il était en larmes, effondré. Et maman, quand elle était rentrée du boulot, parce qu'il était rentré un peu tard ce soir-là, comme tous les autres soirs, évidemment, lui a demandé pourquoi il était si chagrin, si triste. Et il lui a dit, maman, on a de la chance quand même, on n'est pas protestant. Ah oui ? Ah bon ? Oui. Bah oui, parce que tu te rends compte, la Saint-Barthélemy. Bon, puis ensuite, il a fini son programme d'histoire. Voilà. Mais enfin, l'Europe a surmonté tout ça. Et aujourd'hui, elle vous dirait que c'est de cela que l'Europe doit se préoccuper. Peut-être et d'abord, de tolérance et de laïcité. Mais de laïcité aussi pour que la tolérance demeure. Pour que, comme vous l'avez dit quand vous avez présenté votre centre culturel, on puisse parler de tout
tout le temps. Comme le regrettait Coluche, malheureusement, pas toujours avec tout le monde. Mais si ça pouvait être avec tout le monde, ça serait encore mieux. Voilà. C'est de cela dont vous parlerez, maman. Alors, pour le reste, vous m'avez demandé de témoigner. Maman est déjà tellement, pour Jean et pour moi, une sorte de, comment dirais-je, de monument public qui nous a été un peu dérobé, que tout le monde... Enfin, elle appartient un peu à tout le monde. C'est un peu compliqué pour nous. Et au fond, vous en dire plus, vous raconter des choses vraiment intimes qui nous appartiennent à nous, ce serait indélicat. Voilà. Maman a été une mère formidable, surtout avec moi, du reste. Maman a été une mère formidable, mais comme toutes les mères, on l'a aimée comme tous les enfants. Que peut-on dire d'autre sinon que tout ce que vous incarnez, tout ce que ce centre culturel incarne, elle a essayé de nous le transmettre. Et d'abord, la culture et le livre. Maman avait toujours un livre avec elle. Toujours un livre sur ta table de nuit. Notre père aussi. Souvent, il dissimulait derrière une couverture de livres de poche un ouvrage qui n'était pas un roman policier. Mais maman avait toujours un livre, toujours. Et notre enfance a été baignée par les grands écrivains français, par les écrivains du 19e siècle et du début du 20e siècle, par Proust qui était son écrivain préféré, et qu'elle nous racontait et qu'elle nous faisait aimer parce qu'on voyait sans arrêt ce livre près d'elle. Voilà. Que vous dire d'autre, sinon que elle serait très honorée que votre centre culturel ait décidé de lui rendre hommage. Pour Jean et moi, c'est aussi une journée un petit peu particulière, ce 27 juin, parce que c'est le deuxième anniversaire, pour lui et moi, d'un voyage que nous avons fait le 27 juin 2017. Nous ne savions pas alors qu'il y aurait un 30 juin 2017. Et nous sommes allés ensemble, à l'invitation du Premier ministre, à Tallinn. En ce qui me concerne, c'était la deuxième fois, sur les lieux de la fin du parcours du convoi 73, le convoi dans lequel était notre grand-père, et puis notre oncle, Jean. Mon frère aîné porte son prénom, bien sûr. Ce convoi, cet unique convoi parti de Drancy, dont on n'a rien su jusqu'en 1977-1978. Maman elle-même a appris ce qui s'était passé de la bouche de Serge Klarsfeld. Jusque-là, nous n'en savions rien. Eh bien, ce 27 juin 2017, il y a 2 ans, et nous ne savions pas encore une fois qu'il y aurait un 30 juin, Jean et moi étions sur les traces de notre famille. Et c'était une journée bien, bien émouvante, je m'en souviens. Voilà. Que vous dire d'autre? J'avais promis d'être court, mais je ne sais pas le faire. Remercier peut-être les intervenantes, Madame Charlotte Rampling, que maman adorait. Elle serait très, très heureuse de votre présence et très honorée. Madame Orvillère, qui a déjà tellement bien parlé sur maman et qui, chaque fois, est une grande émotion pour moi. Et puis, toutes les autres intervenantes que nous remercions, Jean et moi, très, très sincèrement. Voilà. Je ne veux pas être plus long. J'ai déjà trop parlé.
Mesdames et messieurs, merci de cet honneur que vous faites à maman et indirectement vous faites à sa famille. Je vous remercie. Thank you.
Mesdames, messieurs, depuis que vous m'avez fait le très grand honneur de me convier à frapper à la porte de votre compagnie, la fierté que j'éprouve ne s'est pas départie de quelques perplexités. En effet, même si l'Académie française, dès sa naissance, a toujours diversifié son annuaire jusqu'à, pensez donc, s'ouvrir à des femmes, elle demeure à mes yeux le temple de la langue française. C'est une joie, madame, et un honneur de vous accueillir dans cette vieille maison où vous allez occuper le 13e fauteuil qui fut celui de Racine. De Racine, madame, de Racine. Avec La Fontaine qui fut son contemporain, avec Ronsard, avec Hugo, avec Nerval, avec Baudelaire et Verlaine, avec Peggy, avec Apollinaire et Aragon, Racine est l'un de nos plus grands poètes. Tout en considérant que la langue française demeure le pilier majeur de notre identité, je demeure surprise et émerveillée que vous m'ayez convié à partager votre combat. Moi, que ne quitte pas la pensée de ma mère, c'est bien celle de mon père qui m'accompagne. L'architecte de talent qu'il fut, Grand Prix de Rome, révérait la langue française. Plus encore que je ne le suis, il serait ébloui que sa fille vienne occuper ici le fauteuil de Racine. La naissance de l'Académie. Jules Michelet la raconte ainsi. En 1636, une pièce de théâtre fait un triomphe à Paris. Œuvre d'un certain Pierre Corneille, elle ne chante pas les amours contrariés d'un dieu et d'une princesse antique. La pièce exalte deux sujets que Richelieu a interdits de séjour, l'Espagne et le duel. Le cardinal est vite exaspéré par ceux qui ont pour Rodrigue les yeux de Chimène. Il prend cet engouement pour un affront et veut opposer une assemblée du bon goût. Vient de naître l'Académie française, c'est-à-dire nous, dit Michelet, une société qui consacra ses soins à polir notre langue. Cette société fut-elle fidèle à la vocation que le cardinal de Richelieu lui avait assignée? Notre propos n'est pas d'en débattre. Observons seulement que ce sont des circonstances politiques, autant que littéraires, qui présidèrent à la création de votre compagnie. Si la première académie est naturellement peuplée d'écrivains et de poètes, d'un historien évidemment, d'un grammairien, de scientifiques, elle s'enrichit aussi d'un militaire, d'un ambassadeur, de parlementaires, autrement dit d'hommes chargés d'administrer et de servir la chose publique. L'Académie française est solidement marquée par un compagnonnage entre l'esprit des lettres et l'esprit des lois. Vous formez une magnifique assemblée, même si vous préférez à ce mot celui de compagnie, qui vous renvoie au temps du théâtre et des mousquetaires. Vous siégez dans un amphithéâtre comme il sied aux représentants du peuple. Au perchoir se tient un président de séance. Séance ordinaire ou extraordinaire, des discours sont prononcés, toujours brillants, parfois animés. Bref, on croise ici toute une procédure et un vocabulaire qui me sont familiers et m'inclinent à penser que je me trouve bel et bien au cœur d'une assemblée, c'est-à-dire dans un lieu où se réunissent des hommes et des femmes qui considèrent que l'avis de plusieurs sera plus riche et mieux motivé que celui d'un seul. L'avis de plusieurs sera plus riche et mieux motivé que celui d'un seul. Au fil de ma vie, j'ai fréquenté l'Assemblée nationale et le Sénat, puis appartenu au Parlement européen. J'ai apprécié ces occasions d'échange, de débat, de controverses, où s'exprime, quand il se déroule dans une atmosphère respectueuse, le meilleur de l'esprit humain. À l'instant de son élection à l'Académie française, le nouvel élu prend place parmi vous, mais il accède aussi à une généalogie prestigieuse, formée de ceux qui l'ont précédé. Aucun de nos prédécesseurs ne ressemble à un autre.
Chacun a eu ses mérites en son temps. Certains noms des titulaires du 13e fauteuil sont ainsi parvenus jusqu'à nous, d'autres n'ont été connus que de leurs seuls contemporains. Racine, Crébillon, Feuillet, Loti, Claudel, Vladimir d'Ormesson, Maurice Schumann et Pierre Mesmer. Tel est en tout cas, désormais, mon ascendance académique. Elle est prestigieuse. Fraternité et avenir, sous l'égide de ces beaux mots qui ont naturellement cours chez vous, je suis fière d'être reçue par votre compagnie. Les figures de notre époque, vous êtes l'une de celles que préfèrent les Français. Les seuls sentiments que vous pouvez inspirer, et à eux et à nous, sont l'admiration et l'affection. Je voudrais essayer de montrer pourquoi et comment vous incarnez, avec plus d'éclat que personne, les temps où nous avons vécu, où le mal s'est déchaîné, comme peut-être jamais tout au long de l'histoire, et où quelques-uns, comme vous, ont lutté contre lui avec détermination et courage, et illustré les principes qui ne nous sont pas tout à fait étrangers, de liberté, d'égalité et de fraternité. En m'adressant à vous, madame, en cette circonstance un peu solennelle, je pense avec émotion à tous ceux et à toutes celles qui ont connu l'horreur des camps de concentration et d'extermination. Leur souvenir à tous entre ici, avec vous. Beaucoup ont péri, comme votre père et votre mère. Ceux qui ont survécu ont éprouvé des souffrances que je me sens à peine le droit d'évoquer. Mesdames et messieurs, les justes de France, c'est à vous que mon propos s'adresse. À vous qui avez aidé à sauver les Juifs sans chercher à obtenir cette reconnaissance. Au nom de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, au nom de tous ceux qui vous doivent la vie, je viens vers vous pour vous exprimer notre respect, notre affection, notre gratitude. On ne saura jamais combien vous êtes. Certains sont morts sans juger utile de se prévaloir de ce qu'ils avaient fait. D'autres ont cru être oubliés de ceux qu'ils avaient sauvés. D'autres, enfin, ont même refusé d'être honorés, considérant qu'ils n'avaient fait que leur devoir de Français, de chrétiens, de citoyens, d'hommes et de femmes envers qui étaient pourchassés pour le seul crime d'être nés juifs. Qui sont ces justes
Ces héros qui ne sont pas distingués sur le champ de bataille ou par des faits d'armes, ils se sont illustrés en apportant une aide matérielle et spirituelle. Sans rien attendre en retour, aux Juifs traqués et pourchassés sans merci. C'est à Yad Vashem, institution gérée par l'État d'Israël pour perpétuer la mémoire des 6 millions de Juifs assassinés, qu'a été confiée la mission de décerner le titre de « Juste parmi les nations » et à cette fin de rechercher et identifier ceux qui, au péril de leur vie, ont sauvé des Juifs. Pour Yad Vashem, c'est une mission aussi sacrée que celle de la mémoire de la Shoah. Les noms des justes parmi les nations ne doivent pas davantage que la Shoah tomber dans l'oubli. Ils ont sauvé l'honneur de l'humanité, si profondément atteinte par la barbarie de la Shoah et l'indifférence des nations face à ces événements atroces. L'hommage que l'État d'Israël rend aux justes est un signe de foi en l'homme. Ils sont désormais plus de 2000 en France et plus de 17 000 en Europe à avoir bravé les ordres des nazis et des gouvernements qui leur étaient inféodés pour porter secours à des êtres humains persécutés et menacés d'être arrêtés au seul mobile qu'ils étaient juifs. Des êtres humains de tout âge aux abois. Et je pense en particulier aux enfants cachés. Leurs souvenirs les hantent. Parents, frères et sœurs, la séparation a toujours été dramatique, porteuse d'une douleur et d'une angoisse toujours présentes. Longtemps, ils se sont tus, contraintes au silence parce que personne ne les écoutait. Personne ne cherchait même à savoir et à les comprendre. Les années passent, ils sont de plus en plus nombreux à transgresser cette loi du silence, à écrire ce que furent la séparation, puis leur vie durant des années où, sous un nom d'emprunt, devront parfois se prêter au rite d'une religion imposée. Ils ont vécu dans une famille d'accueil ou une institution. Grâce à ces femmes et ces hommes courageux et de bonne volonté, ils ont eu la vie sauve. Nous avons cru longtemps, trop longtemps, que le temps passant, le traumatisme de la séparation s'estomperait. Nous nous sommes trompés. Mais quand je dis « nous », je pense en particulier aux survivants de la communauté, notamment les anciens déportés. Quelques-uns d'entre nous sont rentrés. L'instinct de survie l'a emporté. Ce n'était déjà pas facile, nous revenions de l'enfer. Nous n'avons pas su voir que la souffrance des enfants cachés était d'une autre nature. Il a fallu le récit pour comprendre qu'avec le temps, le passé les rongeait de plus en plus, leur angoisse, leur chagrin, les vexations, les humiliations, et aussi de ne pas avoir su ou pu exprimer leur reconnaissance à ceux qui les avaient sauvés et aimés durant cette vie partagée. Qui étaient-ce, ces Français, dont on a si peu parlé? Je dirais des Français ordinaires, de toutes origines, de toutes conditions. Les uns politiquement engagés, les autres sans conviction marquée, mais qui ont agi simplement par humanité, bonté ou pitié. Ils savaient le plus souvent ce qu'ils risquaient, non seulement eux, mais aussi leur famille. Et pourtant, sans hésiter, ils ont accepté
de cacher des enfants, de servir de passeur vers la Suisse ou l'Espagne, de les conduire d'un lieu à un autre, en train ou en car, voire à pied ou à bicyclette, avec toujours l'angoisse d'un contrôle d'identité. Voilà plus de 60 ans. Vous n'avez pas hésité à mettre en péril la sécurité de vos proches, à risquer la prison ou même la déportation. Pourquoi ? Pour qui ? Pour des hommes et des femmes et des enfants que le plus souvent, vous ne connaissiez même pas, qui ne vous étaient rien, seulement des hommes, des femmes et des enfants en danger. On ne le sait pas suffisamment que celui ou celle qui permettait à un juif d'échapper à une arrestation lui sauvait la vie. Moins de 3000 déportés sont rentrés des camps sur plus de 75 000 qui ont été déportés de France. Quant aux 11 000 jeunes enfants déportés de France, aucun n'est revenu. Déportés avec leurs parents ou seuls, ils n'entraient même pas dans le camp. Ils étaient, dès la descente des wagons, conduits dans les chambres à gaz. Tous les pays sous la domination allemande ont été soumis à la même volonté d'exterminer les Juifs. Je voudrais même souligner que la réalisation de ce plan passait souvent devant l'effort de guerre. Ainsi, les transports de déportés avaient parfois priorité sur ceux de la Wehrmacht. Ce que l'on sait moins encore, c'est que la France peut s'honorer d'être celui des pays soumis à l'occupation nazie, dans lequel le pourcentage de Juifs qui ont échappé à la déportation, donc à la mort, est le plus important. C'est grâce aux justes. Grâce aux justes. Il n'y eut pas en France que des attentistes, des indifférents, des égoïstes, des dénonciateurs, des collaborateurs. Il y eut aussi des Français désintéressés, généreux et courageux qui ont sauvé l'honneur de notre pays. Tous n'avaient pas le sentiment d'avoir accompli un acte exceptionnel. Cette leçon est plus que jamais nécessaire dans le monde de violence et de péril où nous vivons. Face au nazisme qui a cherché à rayer le peuple juif de l'histoire des hommes, la France s'honore aujourd'hui de graver de manière indélébile dans la pierre de son histoire nationale cette page de lumière dans la nuit de la Shoah. Aujourd'hui, je m'adresse à vous, enfants et petits-enfants des justes parmi les nations, et je vous dis ma gratitude au nom de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. À vos parents, que l'on n'oubliera jamais, nous leur exprimons notre reconnaissance et notre admiration. Pour tous ceux qui veulent un monde meilleur, plus juste et plus fraternel, débarrassé du poison de l'antisémitisme, du racisme et de la haine, ces murs résonneront désormais et à jamais de l'écho de vos voix. Vous, les justes de France, qui nous donnez des raisons d'espérer.
Madame, c'est Michel Poniatowski qui vous parle le premier d'un problème urgent et grave. L'avortement clandestin. À beaucoup d'hommes et de femmes, de médecins, de responsables politiques, effarés de voir les dégâts entraînés par les avortements sauvages dans les couches populaires, et à vous aussi. Cette situation paraissait intolérable. Une des clés de votre action, c'est que vous êtes du côté des femmes, avec calme, avec résolution, vous vous affirmez féministe. Les difficultés, souvent cruelles, auxquelles vous vous heurtez en 1974, ne se sont pas dissipées. Une minorité de l'opinion s'est déchaînée et se déchaîne encore contre vous. Je vous revois, madame, faisant front contre l'adversité avec ce courage et cette résolution qui sont votre marque propre. Les attaques sont violentes. À certains moments, le découragement s'empare de vous, mais vous vous reprenez toujours. Vous êtes une espèce d'Antigone qui aurait triomphé de Créon. C'est avec la plus grande conviction que je défendrai un projet longuement réfléchi et délibéré par l'ensemble du gouvernement. Un projet qui, selon les termes mêmes du président de la République, a pour objet de mettre fin à une situation de désordre et d'injustice et d'apporter une solution mesurée et humaine à un des problèmes les plus difficiles de notre temps. Si le gouvernement peut aujourd'hui vous présenter un tel projet, c'est grâce à tous ceux d'entre vous, et ils sont nombreux et de tous horizons, qui depuis plusieurs années se sont efforcés de proposer une nouvelle législation mieux adaptée au consensus social et à la situation de fait que connaît notre pays. Pourtant, d'autres s'interrogent encore. La situation actuelle est mauvaise, elle est déplorable et dramatique. Elle est mauvaise parce que la loi est ouvertement bafouée, pire même, ridiculisée. Nous sommes arrivés à un point où les pouvoirs publics ne peuvent plus éluder leurs responsabilités. La plupart d'entre nous le sentent, le savent. On ne peut empêcher les avortements clandestins. Et on ne peut non plus appliquer la loi pénale à toutes les femmes qui seraient passibles de ces rigueurs. Pourquoi ne pas continuer à fermer les yeux? Pourquoi avoir laissé la situation se dégrader ainsi? Pourquoi la tolérer? Pourquoi ne pas faire respecter la loi? Parce que si des médecins, si des personnels sociaux, si même un certain nombre de citoyens participent à ces actions illégales, c'est bien qu'ils s'y sentent contraints. En face d'une femme décidée à interrompre sa grossesse, ils savent qu'en refusant leurs conseils et leur soutien, ils la rejettent dans la solitude et dans l'angoisse d'un acte perpétré dans les pires conditions. Ils savent que la même femme, si elle a de l'argent, si elle sait s'informer, se rendra dans un pays voisin, ou même en France, dans certaines cliniques, et pourra, sans encourir aucun risque ni aucune pénalité, mettre fin à sa grossesse. Ces femmes sont 300 000 chaque année. Ce sont elles que nous côtoyons chaque jour et dont nous ignorons la plupart du temps la détresse et les drames. C'est cette injustice qu'il convient de faire cesser. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée, presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, et cela restera toujours un drame. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe? La loi les rejette dans l'opprobre, la honte et la solitude. La loi les rejette dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites.
Trop souvent, elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse? Combien sont-ils ceux qui ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient grand besoin? Mais je me garderai de généraliser. Je n'ignore pas l'action de ceux qui font tout ce qui est à leur portée pour permettre à ces femmes d'assumer leur maternité. Mais la sollicitude et l'aide ne suffisent pas toujours à dissuader. Certaines difficultés font que des femmes se sentent acculées à une situation sans autre issue que le suicide, la ruine de leur équilibre familial ou le malheur de leurs enfants. Le gouvernement, assumant ses responsabilités, a renoncé à la voie de la facilité, celle qui aurait consisté à ne pas intervenir. Un tel projet, adopté après une loi libéralisant la contraception, ne risque-t-il pas d'entraîner une chute importante de notre taux de natalité? Tout laisse à penser que l'adoption du projet de loi n'aura que peu d'effet sur le niveau de natalité en France, les avortements légaux remplaçant en fait les avortements clandestins. Et cette promesse de vie que porte en elle la femme? Je me refuse à entrer dans les discussions scientifiques et philosophiques. Plus personne ne conteste maintenant que sur un plan strictement médical, l'embryon porte en lui définitivement toutes les virtualités de l'être humain qu'il deviendra. Mais il n'est encore qu'un devenir. Selon les études de l'Organisation mondiale de la santé, sur 100 conceptions, 45 s'interrompent d'elles-mêmes au cours des deux premières semaines. Sur 100 grossesses au début de la troisième semaine, un quart n'arrive pas à terme, du seul fait de phénomène naturel. La seule certitude sur laquelle nous puissions nous appuyer, c'est le fait qu'une femme ne prend pleine conscience qu'elle porte un être vivant qui sera un jour son enfant, que lorsqu'elle ressent en elle les premières manifestations de cette vie. L'histoire nous montre que les grands débats qui ont divisé un moment les Français apparaissent avec le recul du temps comme une étape nécessaire à la formation d'un nouveau consensus social qui s'inscrit dans la tradition de tolérance et de mesure de notre pays. Je ne suis pas de ceux et de celles qui redoutent l'avenir. Je défendrai ce texte avec toute ma conviction. Les jeunes générations nous surprennent parfois. Sachons leur faire confiance pour conserver à la vie sa valeur suprême. Le 27 janvier 1945, quand les premiers soldats soviétiques entrèrent dans le camp d'Auschwitz, ils nous trouvèrent incrédules, des terrifiés, que quelques milliers de malades et de mourants qui avaient par miracle échappé aux nazis. Quelques jours auparavant, les dizaines de milliers de détenus d'Auschwitz, encore vivants que nous étions, avaient été contraints, entraînés de force et sous la menace de se rassembler et de prendre la route dans cette marche de la mort. Contrairement à la libération de Paris, la libération des camps n'est rien de festif. Pour les armées et les peuples en guerre, ce ne fut, sur le moment, pas même un événement. Le camp libéré, cela voulait dire que les chambres à gaz ne tournaient plus, que les trains n'arrivaient plus, que les ordres implacables étaient finis, étaient enfin tus. La machine infernale s'arrêtait. Elle,
qui avait tourné à plein régime les derniers mois avec une cadence implacable, d'autant plus implacable que les nazis sont en tournée, le vent de la guerre voulait parachever leurs grandes œuvres d'anéantissement du peuple juif avant que la défaite de leur armée ne les empêche. Le camp cessait donc de fonctionner. Pour les milliers de déportés encore en vie, le risque vital paraissait suspendu. Nous avons eu alors espoir, compte tenu de l'avancée rapide de l'armée rouge, d'être très vite libérés, à moins que les SS n'aient le temps de nous exterminer auparavant. En fait, après avoir marché pendant plusieurs jours dans le froid et la neige, emmenés dans des wagons à ciel ouvert vers le camp vers l'ouest, Dora, Mauthausen, Buchenwald, Bergen-Belsen. Nombreux furent ceux qui moururent en chemin, d'épuisement ou sous les dernières balles des SS. Notre cauchemar était loin d'être terminé. Il nous fallut attendre encore plusieurs mois pour être libérés. Entre-temps, l'épuisement, la faim et le typhus, les exécutions sommaires ont tué un grand nombre de ceux qui avaient miraculeusement survécu jusque-là. Je me souviens de l'arrivée des soldats anglais à Bergen-Belsen. C'est à peine si nous avions pu nous en réjouir. La libération venait trop tard. Nous avions le sentiment d'avoir perdu toute humanité et toute envie de vivre. Nous, les rares rescapés, nous n'avions plus de famille, plus de parents, plus de foyer. Seuls, nous l'étions. D'autant plus que ce que nous avions vécu, personne ne voulait le savoir. Ce que nous avions vu, personne ne voulait l'entendre. Ce que nous avions à raconter, personne ne voulait partager ce fardeau. Nous ne devions pas vivre. La suprématie nazie était tellement écrasante que nous avions intériorisé jusqu'à l'inéluctabilité de notre condamnation à mort. Nous, les rescapés, nous, les témoins, n'avions survécu que pour être rendus au silence. Qu'ils vivent, soit. Qu'ils vivent. Mais alors qu'ils se taisent, semblait nous dire le monde hors du camp. Qu'ils vivent, soit, mais alors qu'ils se taisent, semblait nous dire le monde hors du temps. Après avoir été du côté de la liberté des hommes et de l'égalité des femmes, vous consacrez votre énergie, votre courage, votre volonté inébranlable à une cause nouvelle, la fraternité entre les peuples, y compris la réconciliation après l'horreur avec l'Allemagne d'hier et de demain. Celle de Bach, de Kant, de Goethe, de Holdring,
de Schumann, d'Henri Heine, de Husserl, de Thomas Mann et celle de l'Union européenne. Mes chers collègues, mesdames, messieurs, c'est un très grand honneur que vous m'avez fait en m'appelant à la présidence du Parlement européen. Aussi l'émotion qui est la mienne en prenant place à ce fauteuil est-elle plus profonde que je ne saurais l'exprimer. Si la séance d'aujourd'hui se déroule dans un cadre qui pour beaucoup d'entre vous est familier, elle n'en revêt pas moins un caractère historique. Le Parlement européen, tel qu'il a siégé, tel surtout qu'il a travaillé depuis la création de la première communauté européenne du charbon et de l'acier, a joué dès l'origine un rôle important, un rôle croissant dans la construction de l'Europe. Cet acquis des précédentes assemblées, le Parlement réuni aujourd'hui ne le perdra pas de vue. Il me faut surtout insister sur la novation profonde que constitue au sein des communautés européennes, la première élection au suffrage universel direct du Parlement. Pour la première fois, en effet, dans l'histoire, les Européens ont élu ensemble leurs délégués à une assemblée commune qui représente aujourd'hui dans cette salle plus de 260 millions de citoyens. Ces élections constituent, à n'en pas douter, un événement capital dans la construction de l'Europe. Cette novation historique se produit à un moment crucial pour les peuples de la communauté. Tous les États de celle-ci sont en effet aujourd'hui confrontés à trois défis majeurs. Celui de la paix, celui de la liberté, celui du bien-être. Il semble bien que la dimension européenne soit seule en mesure de leur permettre de relever ces défis. Le défi de la paix tout d'abord. Dans un monde où l'équilibre des forces a permis, jusqu'à présent, d'éviter le cataclysme suicidaire des conflits armés entre les superpuissances, on a vu se multiplier en revanche les affrontements locaux. La situation de paix qui a prévalu en Europe constitue un bien exceptionnel, mais aucun de nous ne saurait sous-estimer sa fragilité. Notre Assemblée est dépositaire de la responsabilité fondamentale de maintenir, quelles que soient nos divergences, cette paix, qui est probablement pour tous les Européens le bien le plus précieux. Cette responsabilité, les tensions qui règnent dans le monde d'aujourd'hui, la rendent plus lourde, et la légitimité que notre Assemblée tire du suffrage universel l'aidera à faire rayonner à l'extérieur la paix qui est la nôtre. Le second défi fondamental, c'est celui de la liberté. Sur la carte du monde, les frontières du totalitarisme se sont étendues si largement que les îlots de la liberté sont cernés par ces régimes où règne la force. Notre Europe est l'un de ces îlots. La dimension européenne paraît de nature à renforcer cette liberté dont le prix, trop souvent, ne se mesure que lorsqu'on l'a perdue. L'Europe est soumise au grand défi du bien-être. Je veux dire qu'elle est soumise à la menace que constitue, pour le niveau de vie de nos populations, le bouleversement fondamental dont la crise pétrolière a été à la fois le détonateur et le révélateur. Tous les pays d'Europe sont aujourd'hui confrontés à une sorte de guerre économique. Une guerre économique qui a débouché sur le retour d'un fléau oublié,
le chômage, comme sur la mise en cause de la progression des niveaux de vie. Ce bouleversement conduit à des changements profonds. Chacun attend des gouvernements et des élus, au niveau national comme au niveau européen, des garanties, des sécurités, des actions propres à rassurer. Nous avons tous conscience que pour relever ces défis, seule l'Europe a la dimension de l'efficacité. Le Parlement européen est désormais porteur d'une responsabilité particulière et c'est dans trois directions qu'il nous faudra l'orienter. L'Europe de la solidarité, l'Europe de l'indépendance, l'Europe de la coopération. L'Europe de la solidarité d'abord. Je veux dire de la solidarité entre les peuples, entre les régions, entre les personnes. Et notre Assemblée devra, sans relâche, recommander que soient réduites les disparités qui, si elles venaient à s'aggraver, condamneraient l'unité du marché commun et, en conséquence, la situation des plus privilégiés de ses membres. Cet effort de solidarité sociale s'impose aussi pour réduire les disparités régionales. Enfin et surtout, c'est entre les hommes que les efforts de solidarité doivent être développés. À une époque où il sera demandé à tous les citoyens d'accepter que le niveau de vie cesse de progresser ou progresse moins, d'accepter un contrôle dans la croissance des dépenses sociales, les sacrifices nécessaires ne seront acceptés qu'au prix d'une authentique réduction des inégalités sociales. La finalité principale des actions, c'est l'emploi. Notre Assemblée devra consacrer une réflexion en profondeur à une situation nouvelle où la demande s'accroît plus vite que l'offre. Notre Europe doit être également l'Europe de l'indépendance. Il est essentiel qu'elle puisse déterminer les conditions de son développement de manière autonome. La dépendance des producteurs de pétrole constitue pour l'Europe un handicap majeur. Pour établir les conditions de notre autonomie, l'Assemblée pourra amplifier les efforts d'économie à la recherche des énergies nouvelles. L'Europe que nous souhaitons doit être celle de la coopération. L'Europe que nous souhaitons doit être celle de la coopération. Ceci suppose que l'on tienne compte des disparités croissantes qui distinguent les pays en voie de développement entre eux. Parce qu'il est élu au suffrage universel, ce Parlement aura un rôle particulier à jouer. Les peuples qui nous ont élus ne nous pardonneraient pas de ne pas savoir assumer cette responsabilité ô combien lourde, mais ô combien exaltante. Il est bien évident que notre force sera d'autant plus grande qu'elle sera plus unanime et aussi plus dépourvue de tout esprit de démagogie ou d'irréalisme. Ce nouveau Parlement permettra aux voix de tous les citoyens de la communauté de s'exprimer sur la scène européenne sans jamais dissimuler les intérêts fondamentaux de la communauté. C'est donc dans un renforcement du travail en commun avec les autres institutions, que notre Parlement jouera plus efficacement son rôle pour le progrès de l'Europe. Pour ce qui me concerne, c'est la totalité de mon temps et de mes forces que j'entends consacrer à la tâche qui est devant nous. Puissions-nous ainsi, au terme de notre mandat, éprouver le sentiment d'avoir fait progresser l'Europe. Puissions-nous surtout avoir pleinement répondu à l'espérance que suscite cette Assemblée, non seulement chez les Européens, mais parmi tous ceux qui, dans le monde, sont attachés à la paix et à la liberté. Thank you.